Joël Dagosséry. Carton rouge. Carton rouge pour Étienne d'entrée. Carton rouge tout de suite. Éliminé. Ne peut pas te manquer ce que tu n'as jamais connu. Et je vais te dire exactement pourquoi. C'est pas la fin d'une mode. Bon, c'est pas une mode pour moi. Je pense que c'est une transformation profonde de la société. Parce qu'actuellement, tu as de nouveaux diplômés qui sont déversés sur le monde, sur le marché du travail. Là tout de suite, à l'instant où je te parle, en tout cas en septembre, voilà. Et ces gens-là ne s'imaginent pas du tout, en tout cas pour la plupart, travailler autrement, ou ne pas avoir au moins une partie en télétravail, si ce n'est pas en total full remote, comme ils disent, parce que maintenant, faut voir. On dit full remote. Donc, effectivement, parce que c'est comme ça, actuellement, qu'ils envisagent leur vie, pas seulement le travail, mais leur vie. C'est-à-dire qu'ils envisagent leur vie, effectivement, en travaillant, mais aussi avec une grande partie de liberté. Et donc, oui, ceux qui ont connu le travail comme nous on l'a connu, effectivement, peuvent avoir ce manque criant de contact, etc. Mais je pense que ceux qui arrivent vont l'avoir de moins en moins parce qu'ils vont trouver une autre façon de sociabiliser. Moi, je travaille en ligne. Donc, je vois bien que je travaille à mon compte, toute seule à la maison. Et ça ne te manque pas, la vie d'entrepreneur, toi qui as été salarié pendant de longues années. Ça me manque, c'est pour ça que je viens ici, d'ailleurs. Donc, finalement, c'est un peu en contradiction avec toi-même. Non, parce que je l'ai connu. Je l'ai connu, mais je vois bien aussi que j'ai toute une partie de mon monde qui est digitalisée. J'ai des confrères, coachs, on va dire, qui sont en ligne avec qui j'ai énormément connecté. Et d'ailleurs, après, on essaie de sortir du digital et de se rencontrer en vrai. Donc, tu rencontres aussi énormément de personnes. Et je pense que ces nouveaux travailleurs, entre guillemets, vont trouver le moyen de s'adapter et de sociabiliser autrement que comme nous, on l'a connu. Et d'ailleurs, les entreprises vont elles-mêmes adapter leur façon, parce qu'il faut se dire la vérité, la promotion passe aussi par le temps de présence en entreprise, par la sociabilisation. Moi, je coach des gens à sociabiliser parce que c'est par là que passe la promotion. Et ben les entreprises vont aussi changer aussi leur façon de faire et de pouvoir trouver le moyen de mettre en valeur des salariés qui sont pas tout le temps là ou jamais là d'ailleurs. Donc je crois que c'est une tendance de fond, une transformation de fond. En tout cas pour les générations qui arrivent, nous on est encore des dinosaures et on va disparaître. Jean-Baptiste, je l'ai vu avec des cas autour de moi, c'est-à-dire tu as des personnes qui pendant une demi-heure travaillent, oui, et puis ensuite elles font tout autre chose et du coup elles disent bah non mais tu vois, elles font quelque chose de ménager. Ouais. Et du coup, tu es moins concentré sur ta tâche mais, professionnelle. Mais non, mais... Alors, tu fais l'un, tu fais l'autre. Je ne suis pas sûr que finalement, pour certains, tu sois vraiment productif. C'est un fantasme. Moi, je suis désolée. J'ai travaillé en entreprise. Le nombre de fois où on vient t'interrompre parce que t'as machin qui vient de parler d'un dossier ou alors de sa vie ou alors t'as du bruit dans les couloirs parce qu'en fait les gens papotent entre eux et tout. Et t'es pas space. Hyper en open space, notamment pour ceux qui travaillent en open space, t'es pas tout le temps hyper concentré sur ta tâche. Et je peux te dire que quelquefois t'as envie de dire je reste plus tard le soir parce qu'ils vont tous partir et je serai tranquille pour travailler. Donc moi là je travaille à la maison et effectivement c'est vrai que t'as une petite confusion, mais avec le temps tu t'adaptes et tu trouves une façon de fonctionner. D'ailleurs t'adaptes ton lieu de vie, t'adaptes. Donc on n'est pas sur la travail. Fin d'une mode. Non, je crois qu'on est sur un début de fond. Les chefs d'entreprise vont être créatifs. Aujourd'hui, ils ne le sont pas tout de suite parce qu'ils ont été pris de court. Parce qu'en fait, le télétravail, c'est une demande qui était là depuis un certain moment avec la digitalisation. Et tu avais beaucoup de chefs d'entreprise qui étaient très réticents. Donc moi, pour moi, là, ils ont été pris de court. Donc ça a été fait à la va-vite. Mais au fur et à mesure, ils vont être créatifs et trouver un moyen justement de recréer ces moments-là en entreprise. Mais il ne s'agit pas d'être tout le temps en télétravail. J'espère que c'est moitié-moitié du temps. Mais la deuxième chose, bureaux, hein. Moi, je vais te dire, pour moi, c'est la meilleure chose qui ait pu arriver, qui ont pu arriver à notre pays, au niveau du monde de l'entreprise, parce qu'on avait un monde de l'entreprise qui manquait de confiance envers ses salariés. On avait des petits chefaillons qui pensaient qu'il fallait tout le temps être derrière le salarié, les surveiller à la lave. Il y avait un culte du présentiel avec des gens qui brassaient de l'air. Mais j'ai vu des gens qui brassaient de l'air, mais qui étaient là de 8h à 19h, etc. Oulala, et là, je 19h, et puis quand tu partais à 16h, on disait où t'as fait ton après-midi? Oh, parce que t'es parti à 16h, que t'as fini ton taf. Non, ça suffit. Et donc le présentisme, c'est une plaie. Ça, je ouais, c'était vraiment. Mais ça l'est aussi à l'ordinateur, d'allumer son ordi à 8h. Mais complètement. Et je te dis que le télétravail, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver pour comprendre que déjà, le salarié, c'est pas un bébé, qu'il est très autonome et qu'il sait faire son travail et que le chef comprenne qu'il y a une autre façon de manager les gens. Non mais Ronan, moi j'ai l'impression que vous avez plutôt une vision d'un patron des années 80, c'est-à-dire que vous pensez que c'est feignant de rester à la maison, mais et aussi peut-être que vous avez la vision d'un étudiant, c'est parce que vous avez vu peut-être vos copains rester en pyjama et ouvrir l'ordinateur, mais en réalité, moi par exemple je suis maman... Oui, je préfère préciser quand même, ce sont ces mêmes étudiants qui avaient envie de rester en télétravail, qui ne travaillent pas l'été, parce que papa et maman sont derrière pour leur payer leurs vacances. Ah ouais, mais c'est d'accord, mais là on parle vraiment d'une classe sociale, enfin il y a quelque chose, mais en réalité ce qui se passe avec le télétravail pour la
pour la plupart des gens, c'est que oui, quelquefois, effectivement, on peut rester en pyjama, mais ça ne va pas durer 365 jours de l'année. Et puis, en fait, il faut se lever pour emmener les enfants, et puis il faut aller les chercher, et puis voilà, il faut s'habiller, parce qu'en fait, on a aussi des réunions. Quand alors oui, sinon, donc il y a pas mal de choses. C'est pas simplement, c'est pas être complètement isolé et être dans le noir avec, avec son pyjama. Non, c'est pas ça. C'est juste avoir une liberté. Voilà, c'est juste avoir une liberté, une flexibilité aussi dans son travail, et aussi moins de temps de transport. Peut-être mais aussi un peu moins tiens, de fatigue. Justement, dans les supplémentaires, non, mais si on parle oui, juste sûr. D'argent et si on regarde le côté pauvre-riche avec le revenu à la fin, tu as des gens qui sont en télétravail et qui touchent 1400, 1500 euros par mois et qui ont trois enfants. C'est pas énorme. Et ça, c'est presque un travailleur pauvre et qui va économiser du carburant, des tickets resto, des transports, des cartes de transport. Qui, justement, eux, ne peuvent pas bénéficier du télétravail et qui ont... Moi, j'ai traité des fiches de paye avec des gens qui avaient 3500 euros à la fin du mois parce qu'ils travaillent dans les aéroports de nuit, et puis ensuite ils allaient travailler, faire un peu de ménage, etc. Et qu'à la fin cumulée, avait 3000 euros par mois. Et donc, cette personne-là, si on regarde juste en termes de revenus, elle a beaucoup plus de revenus que celui qui a la possibilité de travailler, qui a le travail et qui a 1400 euros.